Voilà. Alors les amis, on est dans le coin de la caisse, juste derrière la caisse. Là où il y a plein de restos autour. Il y a le Mr. Burger, Mr. Pizza. Et là on est à Brochette de la Caisse. Brochette de la Caisse. Let's go guys, let me just show you how is it and how it can be. Aïe aïe aïe. Wow. Bonsoir. Bonsoir. Yeah, un peu cosy. Pas besoin de rester trop au dehors. On peut rester à l'intérieur. On peut aller visiter l'intérieur. Ok. On va aller visiter l'intérieur et tout pour voir. Wow. Un endroit cosy et tout. On peut regarder avec un joli chien. Avec un joli chien, on peut regarder et tout. It's just amazing. Yeah. Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. It's your boy Speed, the building that you always know. Là on a quitté le karting club, vous savez, nous on a l'habitude de chaque week-end de sortir en groupe, de s'amuser et tout. Là on a quitté le karting club, on est allé faire du kart comme vous savez déjà. Si vous êtes abonné, c'est pour ça que je vous dis que c'est super important de s'abonner à ma page Instagram pour avoir, voilà, parce que c'est pas tout qu'on poste sur YouTube, mais on peut toutefois poster plein de trucs sur en story sur Insta, donc c'est super important. Speed Manu, je vais le mettre quelque part là, abonnez-vous. En guillemets, c'est bon. Maintenant, allô les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Speed TV qui est bien sûr derrière la caméra. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous parler parce que j'ai été déjà ici et vraiment j'ai kiffé, je les ai amenés aujourd'hui ici. Brochette de la caisse, c'est ça? Non, c'est brochette de la caisse. Brochette de la caisse, oui. Bon, brochette de la caisse, mais normalement en fait c'est ici c'est l'auberge de la caisse. Ok. Le concept c'est un peu de venir, tu vois, en groupe et de commander un peu tout ce qui va être idéal et de manger ça ensemble, quoi. D'accord. Parce que ici, si tu viens seul, ça va être. Mais en groupe, c'est trop bien. Il y a en même temps les colicots, les frites d'igname, les frites de pommes de terre, justement, les frites classiques, quoi. French fries, not Belgian fries, mais French fries. Pour ceux qui connaissent, bien sûr, et à locaux que Sébastien lui kiffe de ouf. Déjà, donc, on va partager ça et puis bah, ça serait ouf, hein. D'accord. Et Anthony nous a promis qu'il y a de la bonne viande ici à Brochette de la Caisse et tout. Donc on est là, on va essayer de grailler comme d'habitude. Et on va. Qu'est-ce qu'on est qui fait Anthony, c'est le poulet dominicain. Vous savez, bien sûr, Anthony, c'est le poulet dominicain. Vous pouvez aller checker sa chaîne YouTube. Poulet dominicain, si vous aimez la graille et tout, allez checker la chaîne d'Anthony, poulet dominicain. Alors je suis avec mes gars, mes loups, comme d'habitude, Sébastien, Ruben. Et on va encore essayer de grailler comme d'hab. Et voilà, comme vous le savez, pour soutenir la chaîne et tout, n'hésitez pas rapidement à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et let's go, guys! Lumineuse. Oh, ma lumière est lumineuse. Voilà ce qu'on va grailler tout de suite. Et puis, il y a du mouton là encore. Vous pouvez aller mener la musique. Je pense qu'on va encore amener plus. Deuxième tour. Attends, tu ouvres ça s'il te plaît. Quelqu'un ouvre ça, l'autre là. Les gars, là vous allez pour un deuxième tour, c'est ça? Mais là, qu'est-ce qu'on a changé sur ça? Qu'est-ce qu'on a changé? On a juste enlevé en fait des brochettes simples de bœuf. Du coup, il y a toujours la cuisité, tout ça là. Il y a la même chose, il y a les boyaux. Donc tout ce qui va être intestin de bœuf, tout ça. Et les foies. Et il y a la viande même ici et tout, dans les papiers, la viande de bœuf. Donc du coup, c'est juste la brochette simple là qu'on a enlevée. Ça va. Nous, on est bien. Frère, on va attaquer ça. Donc, tu as parlé de la loco là. Tu as pris la loco aussi la dernière fois, non? C'est ça? Ce que tu n'as pas pris, c'est les colicots. C'est ça. Maintenant, je ne sais pas comment ils sont à faire, mais je ne sais pas si...
C'est des plats combinés qu'on a pris, n'est-ce pas? Attends, vous avez encore commandé? Ah, ok. Je crois que c'était encore pour vous. Et voilà, let's go, guys. On va attaquer, non? Attends, je vois. C'est bon? Attends, qu'est-ce qu'il y a pris avant? Ah, c'est ça. Je m'en tiens à ce que j'avais pris. Regarde. Tout est bon. Tout est bon. Parfait. Tu vois, tu vois ça comme ça. Je fais un piment, je vois super bien. Moi je suis très bien. Le goût de la sauce de tomate, quand je vois que la sauce de tomate. La sauce de tomate. Là en fait, c'est la sauce de tomate. La sauce tomate là que le piment. Vraiment? Sincèrement, oui, je peux faire la sauce tomate que le piment. La sauce tomate, ça a un goût, voilà. Regardez ce que je vais faire. Prends ça, et je le mets dedans pour voir si ça peut t'apporter quelque chose. Tu vas à la pêche, quoi. Tu vas à la pêche. And I think I'm gonna cut out from something special. Seriously, it's not easy at all. Don't try, bro. Don't try. Okay. Yeah. Voilà, encore les haricots qui sont là. Tu fais un peu de ketchup avec les haricots. Je sens pas quoi le style. Un peu de piment. Let's go for another one. C'est chaud, c'est ce qu'il y a beaucoup, c'est chaud. Et voilà. Guys, it's just amazing. The taste is so spicy. And it looks really, 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 really tasty. Vous savez que j'adore la viande et voilà. C'est pas trop.
Mais gars, là, ce sont des lots. Eux. Non, vous m'avez dit, là. Tu peux y aller à la pêche. Tu vas à la pêche, tu t'en sors avec des coups. Alors, comment tu vas à la pêche, mais... Check my combo. Là j'ai mis de la loco, de la viande, des oignons et let's go. Alors les gars, on vient de terminer là et tout terminé, on a tout terminé et tout. Ah, you guys can see that, like, it tastes so much spicy and the flavors go too. La saveur est bien, bien assaisonnée et tout, mais beaucoup de piment parce que là, if you can see my eyes is already red. I got red eyes et sincèrement les gars, je ne peux pas parler parce que là, j'ai accumulé beaucoup de piment, mais c'était bien. C'était bien par rapport à tout ce qu'il y a pour ma saison. Par rapport même à la quantité du truc, je pense que c'est vraiment raisonnable. Et pour moi, c'est ce que j'aime en fait. C'est-à-dire que j'adore de la viande. Quand il y a beaucoup, vous avez dit SS, beaucoup de viande, je l'adore. Et là, je viens d'avoir ça par rapport au prix. Je pense que c'est super adorable. La qualité prix est bien aussi. Et la quantité, c'est super bien. J'ai adoré surtout la déco, super sympa, tranquille et tout, sans trop de musique, parce que vous savez qu'on n'adore pas trop de musique sur ma chaîne là, voilà. Donc c'est tranquille et tout, la déco est super sympa. Alors je vais essayer de demander aussi à Ruben, voir s'il a aussi adoré. Ruben. C'était cool. Ouf. De base, j'avais vraiment faim. Donc du coup, c'était vraiment top. Moi, j'ai tout aimé au fait, donc du coup, c'est vraiment... Ça, c'est ton avis, mais Sébastien, tu en penses quoi? Je pense que... C'est bon, en termes de grillade, c'est acceptable en fait. Okay. Anthony, poulet dominicain nous a mis dans un cœur assez top. Donc, je pense que brochette de la caisse, là, on va le mettre dans notre playlist. On va le mettre dans la playlist pour les prochaines visites et tout. En matière de grillade, c'est super bien. Donc, on le met dans la playlist. Alors, les gars, je pense qu'après, on va essayer de faire le tour un peu de là. On va voir d'autres restos qu'il y a dans l'avenir et tout. Et n'oubliez pas, les gars, faites ce que je vous dis toujours de faire. Likez la vidéo. Let's go, guys. Rah! Get to close the gate. Bonsoir. Merci beaucoup pour la bouffe. Oui. Salut, du coup, s'il te plaît. Oh non, attends, vous m'avez promis. Augmenter, oh, il me sent vieux, même ta vieux dans la salle, il fait un très bon tournage. Tu ben lim lu những bài những bài. I think it's a good place. Good place. Nem janya o Hello? Hello?
Fuck this shit up. Colito.